Bien bonjour tout le monde, c'est Mika, comment allez-vous? Pour ma part, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui, les amis, sur Farming Simulator 2017. Et aujourd'hui, ben, on se retrouve ensemble en sapeur-pompier, du coup. Comme vous avez pu le voir à la petite miniature YouTube, du coup. Aujourd'hui, pour vous faire plaisir pour les petits et les grands, je me suis dit, pourquoi pas se mettre un peu en sapeur-pompier. Et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait plus fait ensemble, de pompiers. Et là, pourquoi pas repartir un peu dessus. Du coup, on est sur la moyenne caserne, du coup. Il y a la petite caserne au niveau de la plage, la moyenne qui est à peu près au niveau du centre-ville. Donc, alors, j'essaie de vous montrer. Donc, nous, on est ici, du coup. On a un CS donc qui va être par ici, du coup, près de la protection civile. Et on en aura un vers le bas, donc vers le front de mer, du coup. Donc voilà, vers ici, puis là il y a le CS, et puis enfin il y a la sécurité civile, puis là il y a le gros centre de secours. Donc nous on est au petit centre de secours. Donc ici on a donc des véhicules qui dorment à l'extérieur. C'est pas très bien, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc nous avons un petit Iveco, un petit Renault. Avec la benne, enfin avec plutôt la cellule sapeur-pompier de Seine-Maritime, cellule émulseur du coup. Donc 600 ou 6 ou. Ouais, ok, non. Donc du coup, celle-là, elle n'est pas encore remplie. Pour l'instant, elle n'est pas, mais elle sera par la suite remplie. Local VSAV, du coup, on a. Donc. Un premier Mercedes, du coup. VSAV et le deuxième du coup juste ici, voilà, pour la cellule des secours médicaux, secours médicaux, gros, vous avez bien compris. Première petite porte, on a donc la voiture, on va dire VL, hein, de transmission. Du coup on a le PC qui est juste derrière, garé, gain de place, hein. Deuxième porte, on a le FPT du coup en man. Troisième porte, du coup, VSR renoté, du coup, plutôt sympa. Derrière, quatrième, le PA du coup. Derrière, en fond, nous avons un petit véhicule du coup. Donc c'est le VTP du coup, hein. Cinquième. CCR du coup, pareil, tout aussi joli. Sixième, donc CCF, hein, du coup, je trouve plutôt joli. Celui-là, j'adore en perso, c'est mon préféré. Et à côté, nous avons la grande sœur de la petite cuve, du coup, le CCGC, du coup, donc plutôt pas mal, hein, du coup, un camion citerne grande capacité, du coup. Parce qu'on a quand même des forêts boisées aux alentours. Donc j'ai préféré miser limite sur celui-là, celui-là et celui-là. Plus la cuve là-bas pour être sûr. De toute façon, on a du FPT. On a de toute façon un VSR si jamais il y a des accidents. Une EPA, un FPT. Et si jamais vraiment il y a un grand feu, ben ce sera le. Du coup, le CCR qui sera aussi demandé et réquisitionné. Plus la cuve à grande capacité si jamais. Voilà. Pour la petite présentation de la petite caserne, du coup, qui est quand même plutôt fort sympa, fort bien équipée. Nouveau véhicule, nouveau VSAV. On est plutôt pas mal au niveau véhicule. Donc voilà la petite caserne, du coup, hein, je la resitue encore une fois. Elle est donc, c'est la moyenne caserne, du coup. Et elle est près, du coup, des cités là-bas au fond. Voilà. Je trouve plutôt fort joli ma caserne. Enfin, avec tous les véhicules, c'est vrai que c'est quand même plutôt joli. Ça rend plutôt bien. Allez, dès qu'il y a une inter, je vous reprends. Allez, hop, du coup, il y a le VSAV 01 qui va partir. Le PA, on a un feu d'immeuble. Justement, avec le véhicule de chef, du coup. Avec la VL, on va aller voir. Selon ce qu'il y a déjà sur place, ce qui est pareil, il y a déjà du monde sur place. On enverra les véhicules adéquats. Voilà, c'est parti. VL01 pour départ pour prise de lieu sur l'incendie d'immeuble en cours. Ouais. Donc, du coup, c'est un feu d'immeuble. Ce qui paraît, il y a déjà du monde dessus.
Mais c'est la petite caserne, ça c'est vraiment la petite caserne qui s'est rendue sur place. Mais au vu de l'étendue du feu, ils ont demandé d'avoir emmené nos moyens du coup. On va aller voir. Déjà ça brûle pas mal. Je distingue une PA. Ouais, hop, on va se mettre ici. Salut les gars, salut. Ouais, alors, du coup, on a plus d'infos sur ce qui se passe ou pas. Donc ce serait un feu d'origine. Ah, criminel le coup, hein, ce que je vois. Est-ce que vous me dites? Vous avez quoi engagé vos postes de commandement? Une EPA, deux FPT et un VSAV. Ouais, il vous en faut peut-être au moins deux, hein, pour être sûr d'être plus au cas où s'il y a des gens qui sont incommodés par la fumée, hein, ce sera beaucoup plus simple. Moi, je vais demander du coup ma deuxième EPA du coup. Et puis, selon comment ça se passe, ça se déroule, hein, je peux faire déployer un CCRM du coup, ou mon FPT hein, d'ailleurs. Hein, je vous envoie déjà ça, et je ramène le poste de commandement, comme ça on pourra mieux être plus à l'aise, à même pour diriger les opérations que dans le UV qu'on voit du coup. Hein. Allez, on fait ça. Allez, du coup, hop, on va y aller. Je ferai la révision du VSAV après. Tant pis. Allez. Voilà. VSAV 01 sera en renfort au niveau de l'incendie suite aux demandes du groupe de commandement. C'est parti. On y va. Allons prêter main forte aux collègues. Je sais plus si c'était là, si c'est là. Du coup, on va virer à côté du VSAV. Mettre ici, j'ai envie de dire en randonnion pour le coup. Sac aussi. Hop, parfait. Tac, tac. Ouais, je vais tout aller dire qu'on est là. Ouais, pour le VSAV 01, du coup, on est arrivé hein, sur zone. Hein, on est avec vous en attente, bien évidemment, d'instructions de votre part. On reste disponible. Ouais, FPT 01, EPA 01 du coup se dirige sur les lieux suite à la demande du chef de groupe du coup pour l'incendie au niveau de l'immeuble. À vous parler. Hop.
encore le PC de commandement du coup. Hop là. FPT-01 et EPA-01 se présentent sur les lieux de l'incendie. Camion de commandement, poste de commandement du coup. Plutôt, poste de commandement, voilà. C'est beaucoup plus clair quand c'est dit comme ça. Parce que PC, bon, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ouais, les clignotants sont inversés sur le véhicule. Pourquoi pas. On va se mettre où? On va se mettre là. On va être très bien. On a reçu nos ordres, on va aller derrière pour attaquer le feu de derrière nous. Hop. Est-ce qu'on va passer? Est-ce qu'on va passer? Sinon on va faire le tour. On va rester là, comme ça en même temps on alimente le PA. Thank you.
Hop. Allez, hop. On va aller chercher les personnes encore un dans les immeubles. Allez-y, venez. Voilà, parfait. Mettez-vous là et on va redescendre tranquillou. Et après, vous serez pris en charge par le VSAV qui se situe juste en bas, hein, qui se situe juste là. On ne verrez pas, mais en tout cas, il vous attend. Allez, parfait, madame. Allez-y, venez. Mettez-vous sur le brancard. Pas de soucis. Je te laisse. Je te ferme les portes. Allez. Allez, hop. VSAV 01 prend en charge une victime accommodée par du monoxyde de carbone, nous la transportant à l'hôpital de Maltix. À vous parler. C'est parti. Il n'y a rien écouté aux sirènes. VSAV 01 arrivé sur l'hôpital de Maltix. Seront disponibles en radio après intervention. VSAV 02 emmène une personne accommodée par ailleurs et avec une légère brûlure au 1 degré au niveau de l'avant-bras au CHU de Maltix. À vous parler. C'est parti. Let's go again. Enlever les warnings, enlever les comment ça s'appelle les feux de protection. On va chercher le nom. Du coup.
Hop là. Excusez pour les deux dames, j'essaie de les prendre tout doucement, mais ça ne va quand même pas. Je ne sais plus quoi faire. Logiquement, il y a encore l'autre VSAV qui est à l'hôpital. Et ça va être arrivé sur place. Attendons instruction et nous. Nous, on vous dit quand nous sommes de nouveau disponibles radio. Allez, on va appliquer l'échelle. Allez, plions l'échelle. Déjà, ce sera plus simple. Ouais. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo de sapeur-pompier vous aura plu. J'espère que nous avons passé, enfin vous avez surtout passé un très bon moment. Petite vidéo pompier, du coup, ça fait bien longtemps, vous avez vu plusieurs engins, quoi. Du coup, sur le petit roleplay, du coup, donc feu d'appartement, du coup, avec le grimpe, les EPA, le PC, du coup, les nouveaux VSAV, la gendarmerie. Je m'excuse encore peut-être pour les noms qui n'ont pas été forcément très bien indiqués pendant cette vidéo. Mais par la suite, bien évidemment, il y aura des améliorations qui se feront. Et pour les engins utilisés, j'espère avoir utilisé quasiment tous les bons engins, même s'il y a peut-être eu triple au niveau des engins. Voilà, c'était quand même un feu d'appartement. Donc du coup, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et puis nous, on se dit à très vite. Bisous tout le monde.